Salut les viewers, c'est Marcus Paulus et bienvenue dans la Playroom, c'est l'épisode 2 et les Dangerous Horizons sur la bêta 6 de la, enfin, de la version 2.1 donc. Et bonne nouvelle chers amis, nous avons enfin une date de sortie pour cette 2.1 qui sera donc sortie le 26, le jeudi 26 de mémoire, voilà, le jeudi 26 en version officielle, donc la 1.6 si je me trompe pas et la 2.1 sortiront donc, je reprécise à nouveau, le jeudi 26 mai. Voilà pour la grande nouvelle. J'avais dit lundi, vous voyez, j'étais pas loin, hein, jeudi. Qui aurait pu imaginer que ce soit jeudi. Bon. donc, on va en profiter pour aller tester un petit peu les canons qu'on a modifiés la dernière fois. Et on va bien voir si oui ou non c'est efficace cette fois-ci. Alors. On va se diriger vers l'étoile centrale. Et on verra bien ce qu'on y trouvera. Hop, parfait. Source de signal non identifié. Tiens donc. Hop. Où est-elle? Elle est derrière nous. Essayons d'y faire un petit peu attention. Hop, la voici. Tir détecté, menace 1. Ça peut être intéressant. En espérant que cette fois-ci on se fasse pas avoir. 3. Bon, dommage. J'ai pas été bon. Oh, mais non, ça a été rapide. Ça a été très rapide, incroyable. Yo, l'ami. Mince, alors, mes boutons. C'est pas les bons, les voilà. Allez, le bouton. Voilà, merci. Ils sont nombreux d'un seul coup, là. Allez, t'es où? Oh putain. Hop, allez. Passe devant, c'est bon. Ok. Y'a pas de soucis. Ils sont moins deux à nous tirer dessus cependant. L'objectif est de les avoir en face de nous. Ah, dommage. Il s'éloigne énormément. Hop. Viens nous voir. Hop. Allez. Hop. Cellule d'énergie pour la forme. Ça touche? Ça touche! Boum! Je crois que je l'ai touché, chers amis. Ça, c'est pas beau. Mais non. Non! Tu n'as pas le droit de t'en aller. Ah, quel dommage! On est en train de le perdre, on va essayer de le rattraper. Non, il s'est enfui, dommage. Bon, ça revient petit à petit, on est de ce côté-là, on a de la chance. Cette touche-là, mais la touche commence à en chier, oh là là. Qui est-ce qui me scanne? C'est les autorités, d'accord. On va les laisser faire. On va s'approcher, on a 4 km des... Alors ça c'est le dissipateur thermique que j'ai éjecté tout à l'heure. Où sont les débris? Ici. Hop. 3 km. 2 km. 1,5 km. Moins d'un km. On va s'approcher encore un peu. Hop, et on s'arrête. Aïe, j'ai dû en casser, c'est dommage. Hop. On ouvre le récupérateur, on va laisser le drone faire. Il saura certainement faire mieux que nous. Pour la récupération de ces objets. Ah merde, j'en ai gaspillé un. Quel abruti.
J'avais verrouillé quelque chose. Ah. Donc ne verrouillez pas un seul truc, chers amis, parce que sinon ça vous le gaspille. Ça vous gaspille le drone pour un objet. Verrouillez pas, mettez-vous dans la zone sans envoyer le drone, simplement. Voilà. Il y travaille. Alors, j'aimerais bien qu'il lâche celui qui est devant, ce serait cool. Nouveau matériau. Voilà. On a laissé le flight assist. Non, on va le blesser parce que sinon ça va empêcher le drone va en chier. Protection composite, d'accord. Alors. On va essayer de se rapprocher du truc là-bas, je pense, ça sera mieux. Hop. Le voilà qui passe. Et hop, les. On a quelle distance? 300 mètres. On va essayer de se rapprocher. Qu'il soit plus rapide à récupérer tout ça. Hop. Voilà, qu'on gagne un maximum de temps. Cristaux de focalisation raffinés. Ça va être sympa ça à la revente. Hop, ici nous sommes à 125 mètres, ça devrait être rapide. Parfait. Sympa à voir, hein. C'est sympa à voir en tout cas. Hop, allez, vas-y, rentre. On va chercher le dernier. Allez. Hop. Allons-y. Drone collecteur, il est en train d'aller le chercher. Regardez à quoi il ressemble. Sympa. Une main, c'est une simple main. Hop. Une main qui a chaille quand même. Hop. T'inquiète. Simple sillage FSD. Allez, vas-y, range. Range dans la carte, dans le cargo. Hop, dans la soute, ça c'est fait. Ok, et le dernier truc qui reste. Eh bien, un truc là-bas. C'est plusieurs fois que je vois un truc par là. Je peux aller voir ce que c'est, moi. Alors. Je te vois. Force de l'ordre de l'Alliance, d'accord. Ok. Pourquoi pas. Hop, nous on se barre. Hop, voilà, comme ça c'est mieux. Crac. Et on se rebarre. Alors, alors. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a pas dit un truc genre collector expired, un truc comme ça? Je sais pas. Bizarre, bizarre. Pourquoi pas, hein. C'est toujours intéressant de laisser le vaisseau parler pour nous. Mais enfin bon, encore faut-il comprendre ce qu'il dit. Ce serait pas mal. Alors, est-ce qu'on peut se diriger vers l'étoile? Une fois de plus, une fois n'est pas coutume. Et essayer de trouver une menace un peu plus... Oh, quoique, elle était pas si mal cette menace-là. Il y en avait deux. Des petits, mais... Deux quand même. Alors où est-elle? Par là. Hop. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Dispersion de convoi détectée. Menace 2. Ah. Ah ah ah. On va tenter, chers amis. On y va. On y va, on y va, on y va, on y va. Ça m'intéresse. Là par contre. Donc il y a une attaque de convoi, simplement. Comme on peut voir les attaques de train dans les westerns. Pour ceux qui sont un peu plus vieux. Parce que bon, les westerns à notre époque, on n'en voit pas des masses. Hop, cible. Je n'aime pas ça, on passe en alerte orange, d'accord.
Aux escortes restantes, continuez de votre site d'analyse. Notre passager doit arriver à bon port et en bonne santé, numéro 1 terminé. Qu'est-ce qui se passe? C'est un orca? Génial. Oula! Oulala! Quelle horreur! Ils se font attaquer en masse. Wouah, c'est magique. Ça, j'adore. Ça, j'adore, chers amis. Hop. Allez, vas-y, bouffe. Hop. Et de 1. Hop, il y a un autre qui m'attaque. Varmex. Ça doit être le chef d'équipe. Ça doit être le chef d'équipe. Ok, où est-ce qu'il est? Excusez-moi, je l'ai loupé. Ta cargaison est à moi, what the fuck? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi il a disparu comme ça? Ah! Ils ont disparu parce que les forces de l'Alliance sont arrivées et Darko, maître. Attendez. Hop, bonjour. Tu es sur le point de te faire défoncer. D'accord, apparemment il y avait des hit attacks. Oh la gueule. Il a pris tellement cher d'un coup lui. Il a boosté. Est-ce que ça touche? Ça ne touche pas. Ah la vache, il booste encore. Dommage. Ok, on s'en approche. Je sais pas si je vais pas le rater. Il s'agit de ne pas le rater, chers amis. Ah la vache! J'arrive pas, hein! Touché! Hop, salut l'ami! Hop! Oh, il est sublime! Vous avez vu ça là, le comment? Alors je sais pas, je crois que c'est un Fédéral Corvette ou un Python. J'ai pas trop vu. Ah la vache, t'es mauvais! Touchera pas. Touchera pas, dommage, il était défoncé. C'est pas grave. Il commence à y avoir un paquet de monde dans la zone par contre. Ok. Voici donc le fameux orca qui a perdu deux. Est-ce qu'ils vont revenir? Haha. La grande question. Est-ce qu'ils vont oser revenir? Tout ça, ça doit être les flics. C'est un anaconda, il est magnifique. Il est absolument magnifique. J'ai l'impression que l'ambiance sonore du jeu est améliorée aussi. C'est un avis qui m'est propre. Mais vraiment, vraiment, vraiment sympa. Hop. Alors, bah écoutez, nous on va repartir. Vu qu'ils n'ont plus besoin d'aide. Hop, c'est parti. Oh, il y a le gros. Le gros qui nous empêche de partir. Tu m'étonnes. Hop, pleine puissance. Pouf! Voilà. Oh là là. C'est bon. Il est balèze, le gros. Bon, 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 bon. C'était sympa. Entre la petite intro, avec l'escorte qui commençait à se paramétrer, à se coordonner, et l'arrivée des autres et des flics, c'était vraiment, vraiment génial à voir. J'ai adoré. Là, franchement, je suis fan. Oh là là. Ce genre d'interaction, ce genre de réalité, de vie dans l'univers, c'est magique. Ah là là, c'est vraiment sublime. Mais je suis désolé, là, je suis sur le cul, à vrai dire. Entre la petite, oui, la petite vie un petit peu avant, là, et le reste, c'était magique. Vraiment magique. J'adore. Ça, j'adore. Waouh. Alors, ce jeu était déjà magique avant, mais alors là... Gagne des points de magique,
de magie plutôt simplement, j'allais dire de magicitude. La magicitude, c'est tout nouveau, chers amis. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le coin? Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le coin? Des clusters et des clusters, d'accord. La fameuse balise de navigation. Ok. Des choses plus intéressantes peut-être? Non? Hop, je suis désolé, j'entends le de mon plastique se faire, donc c'est quand on arrive en fin de vie au niveau de mon joystick et ça m'embête parce que j'ai pas de sous en ce moment. Pas pouvoir m'en repayer un, moi je peux pas me payer des trucs comme ça. Surtout que si je veux me payer... Monde très riche en métaux, intéressant. On va par là. Qui dit très riche en métaux dit pirate, techniquement. Techniquement. Par contre on a du monde derrière nous, ce qui est plutôt une bonne chose. Subir une attaque ne me dérangerait pas plus que ça, à vrai dire. Alors, toujours rien dans les choses proches. Et apparemment, de toute façon, pas d'attaque. Hein. Bon. Surtout qu'on est sur le point d'arriver, donc c'est dommage. Rien à voir, rien à faire sur la route. C'est vraiment dommage. On va partir un peu plus loin alors. Ah oui, là c'est vraiment beaucoup plus loin par contre. Ah oui, c'est vraiment énormément plus loin même. Ah, celle-là est pas trop. D'accord, c'est un simple. Ok. On fait des petits tours, hein, on va bien voir hein, si on trouve quelque chose ou pas d'intéressant. J'aimerais bien trouver un truc mieux. Ah. Ah, ah, ah. Émission de mauvaise qualité détectée. Donc ça c'est un vaisseau détruit. C'est un vaisseau détruit. Peut-être une mission. Peut-être une mission. Ouf. Non, je crois que c'est indiqué quand c'est une mission. On va voir autre chose. J'aimerais voir autre chose. J'aimerais un peu plus d'action. J'aimerais tester mes armes en fait. Ça me semble normal. Hop, là il y a des vaisseaux. Rien d'autre, il y a vraiment rien d'autre. Non, ça on va pas s'attaquer à ça. Par contre, la balise de navigation, on va se rediriger dessus, puis on va aller voir dessus. Hein. J'ai des choses intéressantes. Hein, c'est intéressant. Putain, je mets des R partout, il faut pas maintenant. Voilà autre chose. Oh là là. Ah, bon, je vais y arriver. De toute façon, faut que je dorme la nuit. Faut que j'arrête le montage. Enfin bon, c'est comme ça. Le montage nocturne, ça tue, chers amis. Ça tue. Alors, est-ce qu'on a quelque chose? On a rien, Ah. Ah ah! Identifie-moi ça. Ouh, menace 2. Intéressant. Je veux aller voir ça. Elle est loin, dis donc, ouais. Elle est même complètement à chaille. Alors. On approche. Oh, la journée aura été longue. Hein. 9 vidéos tournées dans la journée. J'essaie de pouvoir avoir un week-end, mais je pense que ça va être compliqué de l'avoir mon week-end. Enfin bon, on verra bien. On verra. Alors. On y est presque, chers amis, on va y arriver. Il va y avoir 32 menaces quand on va arriver, parce que voilà, vu le temps, depuis le temps qu'on y est. Mais c'est pas grave. Ah, ça y est. Ah, oh, il nous accepte de le... Merci, c'est gentil, trop aimable. Médical transport. D'accord. La cargaison est en sécurité, enfin je crois, d'accord, on a des super potes là. On va voler avec eux.
Hop, il se passe rien. Rien à signaler. Alors. Est-ce qu'il va se passer quelque chose, finalement? Il y avait deux menaces. Lui, il n'est pas menaçant. Lui ne me semble pas méchant. Lui non plus, normalement. Enregistrement des cycles de boucliers déformés, d'accord. Ici, rien de bien méchant non plus. C'est des étoiles ou c'est... Ça semble être des étoiles. Bon, bah apparemment il se passera rien. De toute façon, j'ai intégré toute la... Il va rien se passer, hein. Étrange. Bon, c'est pas plus mal en soi, hein, pour... Hop, il fait chaud derrière. Question, tiens, on va pouvoir voir si je m'approche. Là, actuellement, on s'approche toujours, tout doucement. Est-ce que la température va augmenter? Elle devrait. Il passe en dessous, d'accord. Ok, bon, bah, il se passera rien. Bon, bah, tant pis. Et je m'en vais. Je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, il se passera rien. Bon, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. J'imagine que ça correspondait à la menace de la commande de l'escorte si jamais on voulait attaquer le truc. Bon, 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 bah, c'est tant mieux, c'est tant mieux. On peut pas se plaindre. On va se rendre ici, chers amis, pour finaliser cet épisode. On aura eu droit à quelques petits combats sympathiques. Hop, on accélère. Alors, par contre, on n'est pas du tout dans la bonne direction. Ce serait pas mal de s'y mettre. De gagner du temps. Et 3, 2, 1. Pouf. Hop là, voilà. Chilbin Service Station. Chilbin Service Station. Ok, on y va. C'est parti, mon kiki. Bon. Bon, bon, bon. Alors, faudra encore une fois revoir, je vous l'ai dit, chers amis, hein, avec les différents. Armements possibles et imaginables. Hop. On a plein de données. Je sais pas ce qu'on peut en faire. Wow, c'était censé bien se passer cette approche. Wow, on se calme. Allez, doucement. Doucement. Hop. Cette approche s'est très très mal passée. Alors. Doucement. On a vraiment chié sur cette approche. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon. Donc je pense qu'il faudra que je fasse du transport, hein, du déplacement avant de pouvoir faire la mise à jour. Enfin, avant de pouvoir arriver dans une zone sympa pour la mise à jour. On ira sans doute, on commencera sans doute par, mince, le système des Blackburn, on va dire simplement ça comme ça. Avant d'aller plus loin, il va falloir qu'on trouve un drone, des drones récolteurs qu'on puisse équiper. Parce que vous avez vu qu'on va en avoir cruellement besoin, on a une quantité d'objets de loot complètement incroyable à récupérer. Oui, oui, mais alors d'abord j'aimerais rejoindre l'avant de la station, s'il te plaît. Hop.
merci. Ensuite, tu me diras bonjour. Permission authorized. Prep for arrival on landing pad 07. Merci. Hop. On devrait être bon au niveau de la vitesse là. Ah, 110, on est encore un petit peu trop haut. D'accord, voilà. En douceur. Oh, avec cette vitesse, tu te le mets où je pense, hein. Hop. Sortons les trains d'atterrissage, plateforme numéro 7. Et non, tu ne vas pas me scanner de l'intérieur. Dommage. Hop. Allons-y. 400 mètres from touchdown. Oh là, j'ai touché, excusez-moi. Hop, c'est bon. Faudra que je reprenne tout ça en main comme il faut, de toute façon. Une fois que la mise à jour est sortie, je pourrai jouer beaucoup plus. Hop, on ravitaille. On va dans les contacts. Vous voyez, on a quand même fait un petit peu de prime. 60 000 de prime, c'est pas mal. Ça va vite. Hop. Ah. Demande pardon. Bonjour, bonjour commandant Marcus. Nous avons le plaisir de vous informer que votre réputation auprès de la faction Wolf 34 indépendante s'est améliorée et que vous êtes désormais populaire. Accomplissez d'autres opérations pour notre compte et votre réputation auprès de nous devrait continuer à en bénéficier. Section opération de la faction Wolf 9397 indépendante. Alors, Wolf 397. Alors, bah on est toujours neutre. Chez les ingénieurs, d'accord. Pas mal. Multicanon, canon en fragmentation. Répartir de puissance laser impulsion, réacteur FSD. Ah, invitation reçue, d'accord. Donc on peut voir qu'il y a encore quelques bugs. Hein. Ça va être très très vite corrigé, je pense. Cependant, j'avoue être assez perplexe vis-à-vis de cette notification qui m'indique des choses qui ne sont pas apparemment réelles. Mais bon. Je suis qu'on n'était pas en bon terme avec eux avant. Alors. Service de spatioport, donc. Contact. On a fait ce qu'il fallait ici. Ici aussi. Je voulais voir marché noir. Bon, des marchandises illégales, je n'en ai pas, on est d'accord. Parfait. Et donc, Universal Cartographics. Aucune donnée cartographique. Donc j'ai des choses, je ne sais pas du tout à quoi ça sert, chers amis. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Inventaire, données. C'est des données, d'accord, utiles, d'accord. Ça m'a permis d'utiliser un ingénieur. D'accord, ok. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Bon. Réparation, vite fait. Livret, hop. Hop, voilà. Crac, parfait. Bon, et bien écoutez, on va cesser là pour cet épisode, merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom, de partout le lien dans la barrière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, et je vous rappelle que la sortie de la 1.6 et de la 2.1, c'est pour le jeudi 26 mai. Voilà, salut les gens !